Et bienvenue, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la recette des macarons. Une recette des macarons, parce que généralement, on jette tout en cuisine, on les loupe, alors que finalement, si on fait du pas à pas et qu'on a quelques guides, eh ben, on va pouvoir réussir vraiment à arriver à un résultat plutôt sympathique. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, parce que franchement, les macarons, il faut être deux. Puis en plus, parce que je ne sais pas les faire. Ça, c'est plutôt intéressant d'avoir quelqu'un qui est spécialiste. Et je vais te laisser te présenter, du coup. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Émilie, vous me retrouverez sur les ateliers d'Émilie Dupré sur Facebook ou Milly ZSD sur Instagram. Instagram, le truc que je maîtrise pas bien, vous savez. Donc vraiment aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder comment tu fais. Je vais essayer de filmer comme il faut pour que tout le monde puisse bien voir ce que ça donne. Et ce que je te propose déjà, c'est de parler de ta recette que tu utilises, parce que tu parles d'une recette de cookie doux que tu modifies. Hein, c'est bien C'est ça. ça, oui. Alors, on va partir de la recette macaron coco chocolat blanc Hein. Je vais la mettre sur cookie doux pour qu'on puisse la voir. Hop. qu'on trouve sur Cookie Doux. Et pour un gain de temps et des macarons réussis, je vais partir directement par faire mes coques. Donc, en modifiant le début de la recette, parce que la première fois que j'ai fait cette recette, je savais qu'il fallait du sucre et je pensais que dans le déroulé de ma recette, j'allais avoir le sucre glace à faire. Oui, il y a bien marqué 300 grammes de sucre glace là, mais en fait, il faut qu'il soit déjà prêt, c'est ça. C'est ça. D'accord. Voilà, on ne l'a pas dans le pas à pas de la recette. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'avoir directement sur le Thermomix. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, je descends ici. Donc, tu m'as dit que tu faisais directement les coques parce que tu fais pas la garniture avant pour pas que ton bol soit chaud, hein, c'est ça, C'est hein. bien ça, oui. D'accord. Donc, si on regarde la recette de base, j'ai 150 g d'amandes en poudre et 150 g de sucre glace. Donc, pour ce faire, je vais mettre mes 150 g de sucre. Voilà. Je vais sortir de ma recette. Je vais mettre le couvercle de mon Thermomix. Oui. Et je vais partir pour 14 secondes. Voilà. C'est bien d'être à Vitesse, deux, hein. vitesse 10. Allez. Hop là, on est parti. Alors, on va pouvoir voir le résultat. Voilà. Et là, j'ai mon sucre glace. Cool. Et je viens mettre mes amandes en poudre. Alors, elles sortent directement du paquet. Je ne les ai pas tamisées avant de les mettre dans le bol. Et là, je viens rabattre mon sucre glace au-dessus. Ah, tu fais un pré-mélange du coup. Bah, je rabats les côtés pour que À ce qui est accroché sur le bord du bol. tout soit dans. Parce que moi j'avais fait des recettes où ils tamisaient ceci, cela, ça avait l'air super compliqué. Ouais. Là ça a l'air d'être un peu plus simple ton histoire là. Bah, c'est une recette à la portée de tout le monde. Donc là, le sucre glace, je ne le rajoute pas, je l'ai déjà mis. Ouais. Et là, je suis le pas à pas de la recette. Donc D'accord. je mets mon couvercle avec mon bouchon. Suivant. Et là, Tu repulvérises. c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Ça fait noix de coco un peu. Un peu, oui. Mais bon, on n'a pas tamisé la poudre d'amande. Donc ensuite, je viens et je rajoute mes blancs d'œufs, à savoir que c'est un tiers de la préparation en poudre. Donc là, on a 50 g de blancs d'œufs. C'est la seule chose de liquide que tu vas mettre à l'intérieur? C'est ça. Oui, c'est ça. Et des fois, on dit il faut laisser les œufs, il faut pas qu'ils soient trop frais, trop machin. Toi, tu fais attention à ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est. Comment dirais-je? Une. Une légende urbaine? C'est ça. Donc, suivant, suivant. Et là, on mélange simplement donc vitesse 5.
Ok, pour l'instant, je t'avouerai que moi personnellement, ça a l'air à ma portée, mais on va essayer de suivre, on va voir si ça devient difficile ou pas. On va voir ça. Suivant, donc transvercer dans un récipient et réserver. Donc là, on ne va plus utiliser le Thermomix tout de suite Si. Si, si. Je vide et je vais utiliser mon deuxième bol pour ma meringue. D'accord. Alors. Je sais pas si comme ça c'est mieux. On dirait une pâte à gâteau comme ça. Presque. Et là, je ne t'ai pas demandé, mais on fait une quantité de combien de macarons là, avec cette préparation? On fait alors en tout une quarantaine de macarons. Là, avec ce que tu es en train de faire là. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, c'est des petits macarons. Oui. Et tu aurais pu la doubler, la recette? Ça t'est déjà arrivé? Alors, comme chez moi, je la fais sans préparation, avec mes blancs d'œufs, une fois, j'ai 60... 79 grammes de blancs d'œufs qui sont tombés. Et du coup, ben, j'ai appliqué la règle des 1 tiers et j'ai rajouté du sucre glace et de la poudre d'amande. Et ça a fonctionné Ça a fonctionné. J'ai fait 4 plaques de macarons, 58 exactement. Ah oui, donc on peut la doubler Bon, je dirais pas de la doubler, mais oui, on peut... Faire un produit en croix. Voilà, c'est ça. En soi, comme c'est deux préparations bien distinctes. Alors, est-ce qu'on a la même photo que le saladier? On verra le résultat à la fin. Donc là, il me reste de la pâte au fond de mon bol. Donc, ouais. Je vais mettre un petit coup de turbo pour... Allez, je te laisse montrer ça. Donc là, je sors de ma recette. Voilà. Le turbo est ici. J'ai une seconde et j'ai un tournant. Voilà. Je sors du mode pour que mon robot s'ouvre. Et on va voir ce que ça donne. Ah oui, voilà. Les couteaux ont été, on va dire, ils ont expulsé, hein, comme on fait sur toutes les pâtes. Hein. C'est vraiment quelque chose de bien plus pratique que d'essayer d'aller gratter de partout autour. C'est ça. Allez, je te laisse aller récupérer, il y a au moins deux macarons. Au moins quatre. Ça gonfle beaucoup, ouais, le macaron en cuisson Ça fait sa coque. D'accord. Après, je ne dirais pas que ça gonfle, mais ça s'étale. Ça s'étale. Au moment du croûtage. Je crois que c'est bon, même comme ça. Ouais. Un petit peu là. Donc là, je vais laisser ce dernier de côté et je vais prendre le deuxième pour faire la recette, la suite de la recette. Allez. Je vais vous épouser. Regarde. Okay. Il est juste à côté. Donc là, suivant, on nous dit de nettoyer le bol que j'utilise. On en a deux. Un deuxième bol et j'insère le fouet. Donc là, mon fouet est bien mis, parce que je peux soulever mon bol. Alors après, il y a aussi une autre technique hein, par rapport au fouet, c'est que si on regarde bien les couteaux, il y a un écart qui est plus important entre tous les écarts qu'il peut y avoir, et quand vous le bougez comme ça, il va avoir moins de latitude ici que si je le mets là. Là, il va avoir un plus grand débattement. Donc si je le mets ici, il bouge moins, et c'est ici qu'il faut le mettre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Allez, suivant. Donc là, 50 g de blanc d'œuf. Le secret, si vous voulez des macarons colorés, c'est dans le blanc d'œuf qu'il faut mettre votre colorant. Alors toi, tu utilises quoi? Parce que je sais qu'il y a des colorants qui sont... Du colorant en poudre. Après, ouais. On peut le mettre là pour le montrer. N'importe quelle marque. Hein. J'utilise ceux-là ou des autres. Alors, c'est la pointe du couteau. Voilà. Là-dessus, comme ça, ils vont pouvoir voir. Alors, après, vous dosez suivant la couleur que vous voulez. Hein. Je le mets avant de le mettre dans le bol, parce que si
J'en mets sur mes couteaux, après j'ai les mains bleues. Donc c'est pour ça que je le fais. Et tu es en train de te faire attaquer par une mouche. Oui. Donc là, on est pas mal. Ok. Suivant, insérer le couvercle. Voilà, suivant. Et là, on est parti à 12 minutes à 37 degrés. Alors là, il nous dit, après 3 minutes, verser 75 g de sucre glace. Donc moi, je ne vais pas mettre du sucre glace, je vais mettre du sucre semoule directement. Classique. Classique. Et ensuite, la deuxième fois, je mettrai 75 grammes de sucre glace pour leur donner en fait un effet brillant. Mais c'est plus simple, si vous avez du mal à pocher les coques, c'est plus simple de mettre du sucre semoule. D'accord. Ah ben ça, c'est bon à savoir. Et Et même donc, deux fois du sucre semoule, si c'est vos premiers macarons, ils se tiendront mieux. ils vont moins avoir tendance à s'étaler ou. Et à devenir coulants. Et là, D'accord. pour traduire la recette, c'est 12 moins 3. Et 12 moins 7. Donc à 9 minutes, je mettrai 75 grammes de sucre. Et à 5 minutes, je mettrai le sucre glace. Donc là. Je vais mettre la minuterie. Bon, après, moi, je reste devant, mais. Ah bon, on montre comme ça aux gens. Hop, tiens, c'est moi qui l'attaque la mouche. Alors, je mets combien? 8. Bon, là, il faut se dépêcher. 3 Allez, minutes. hop, tout de suite. Et on et va en je mettre un reviens. deuxième. Le deuxième? On peut en mettre un deuxième, tu crois? Non. On mettra le deuxième après. Ok. Alors, en attendant, j'aurais peut-être voulu qu'on aille regarder aussi sur Cookidoo. Oui. Je te laisse faire hein, le sucre, hein, de toute façon, ça va biper. Sur Cookidoo, regardez un peu les recettes de macarons qui existent pour voir tout simplement bah, si toi tu en as testé d'autres. Et Alors j'en ai regardé d'autres, ouais. mais elles m'ont pas plu. À savoir que le macaron, que l'on le fasse sucré ou salé, c'est exactement la même coque et la même base. Et moi, quand je me sers de mon Thermomix, eh ben, je veux que mes coques elles soient faites intégralement dans le Thermomix. Je veux pas sortir une poêle, un thermomètre et voir la température de mon sucre. Là, en fait, c'est une recette. Voilà, j'ai pas grand-chose à laver. J'avais regardé ce macaron Morito, il me semble. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc, j'avais regardé cette recette-là, parce que je me trouvais jolie. J'avais acheté du colorant vert. Et en fait, Qu'est-ce que c'est qui te plaisait pas? puis chauffer à feu vif. Voilà, c'est ça. Mettre l'eau et le sucre en poudre dans une casserole, puis chauffer à feu vif. Moi, ça me plaisait pas du tout. Ah, c'est les fameux macarons où on va faire le sirop C'est à ça. côté. Comme pour les meringues à l'italienne, il me semble. Donc C'est c'est ça. avec le thermomètre, il faut arriver à 118 degrés et ainsi de suite. C'est ça. D'accord. Là. Une petite spatule. Tiens, demande-moi, je suis ton commis. Merci. Et là, je viens verser tout doucement. Alors, moi je l'ai pesé avant, donc je Ouais. sais qu'il y a 75 grammes, mais si vous voulez accéder à la balance, c'est ici. Les trois petits points là-haut. Hein. Bien sûr, là je vous l'ai mis à la fin. On est pas mal. On dirait des schtroumpfs. Oui. Donc là, on a pas mis le chrono, mais il faut attendre combien de temps? La prochaine fois, je les mettrai à 5 minutes. Quand il restera 5 minutes. C'est ça. D'accord. J'aurais voulu que tu me dises deux, trois petites. Ah, hop, on a le chrono qui se met en route. Si tu peux venir avec moi en attendant.
Qu'est-ce que tu... Parce que toi, je t'ai connu par rapport à ta spécialité de macaron. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne, tes réseaux sociaux? Ah, je teste tout, en fait. Les macarons, c'est sur un malentendu. Hein. Je suis pas une spécialiste des macarons. J'ai commencé... Un très bon malentendu. Hein. Moi, j'ai goûté. Les malentendus comme ça, ils sont plutôt pas mal. J'ai commencé à travailler chez Thermomix et j'ai voulu en fait tester les macarons. Et pour le coup, j'avais pas fait mon sucre glace avant et j'avais mis que du sucre normal et j'avais même pas de douille ronde, j'avais une douille cannelée et je les ai réussies. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Ouais, voilà. Donc après, j'ai fait mon sucre glace et puis au fur et à mesure du temps, j'ai amélioré la recette pour. Elle surveille le temps en même temps pour pas se faire avoir. J'essaie de la mettre en défaut, mais je vais peut-être pas y arriver. Des formations professionnelles, oui. Il me reste 2 minutes. Alors en 2 minutes, tu vas pouvoir me dire. Non, après j'utilise du coup mon Thermomix, donc je vais. Il me restait des bananes, je tape banane, je teste la recette, je la goûte. On l'aime, je la partage sur mes réseaux. On l'aime pas, ben. On la partage pas. Après les goûts, c'est toujours affaire de chacun. Donc quand j'aime pas quelque chose, je ne le montre pas, mais je ne dis pas que c'est pas bon. Donc voilà. Ça ne me correspond pas. Voilà, c'est ça, ça ne me correspond pas. Mais... Et tu es plus sur le sucré, du coup ? Alors, sur mes réseaux, oui, beaucoup plus, parce que c'est visuellement plus intéressant, plus intéressant que les préparations. Mais pour le coup, non, je fais beaucoup de repas, enfin, je fais tous mes repas avec le Thermomix. Oui, voilà, c'est ça. Tu présentes plus du sucré, parce que c'est toujours un beau ragoût montré à l'écran comme ça. Ça rend pas bien, ou le one pot de spaghetti aux légumes que j'adore. Bon, bah voilà, j'ai fait la photo, vous pouvez la voir, mais. Il faudrait que je fasse d'ailleurs un jour le live de spaghetti carbonara que je fais tout le temps aussi à la maison. C'est très très moche, mais c'est bon et puis c'est très rapide. Ah oui, c'est délicieux. Et je crois que je t'ai bientôt fait perdre ton chrono. Non, il me reste 36 secondes. Donc là, pour la deuxième partie, on va mettre du sucre glace et je vais vous mettre la balance. Ah, mais c'est aux 10 secondes près alors. Non, pas du tout. Une petite info au passage, comme ça, c'est qu'on peut peser quand le Thermomix tourne, mais il ne pèse plus de gramme en gramme. Il pèse de 5 en 5 pour éviter justement que les vibrations soient trop pénibles dans la lecture du grammage. Donc là, c'est ta meringue en fait que tu es en train de monter. Mais oui, je suis bête, tout à l'heure je disais ça fait la quantité, mais j'avais oublié qu'il fallait mettre encore les œufs en neige à l'intérieur. C'est ça. Je conseille au passage une petite vidéo sur les œufs en neige, pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur la chaîne Tuto Thermo. Plein de petites astuces. Donc là, on est pas mal. Alors, je vais essayer de faire un. Et ça va être là en fait le point. Le point crucial, c'est le mélange des deux pâtes. On voit à peu près ce qui se passe dedans. Allez, il nous reste 3 minutes. Maintenant, je prépare le nettoyage de mon second bol. Mm-hmm. Comme ça, donc, je vais pocher mes coques. Mon deuxième bol va se nettoyer. Et quand j'aurai fini, je commencerai ma ganache. D'accord. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de ta chaîne? Alors, je dis chaîne parce que moi, je suis toujours beaucoup YouTube. Les Ateliers d'Émilie Dupré. Les Ateliers d'Émilie Dupré. Et donc, ça, c'est sur Facebook. Oui, ça, c'est ma page Facebook. Je commence une chaîne YouTube, mais ma première vidéo est catastrophique. Je te donnerai 2-3 petites pistes. Ça marche.
Alors là, ne quittez pas parce qu'il va y avoir le fameux macaronnage, C'est hein, ça. si je ne me trompe pas de mot. Non, c'est bien ça. Et du coup, pour ce faire, j'utilise une corne. Donc, elle est adaptée. Peut-être c'est là, on la montre. Alors, si tu veux, hop, vas-y. Voilà. Donc, ça, c'est une corne et elle est adaptée à la taille de mon saladier. Après, vous en avez des plus petites. Comme ça, si vous avez un plus petit saladier. De toute façon, je vais essayer de bien, ouais. Bien de filmer. Et le secret, pour le coup, du macaronnage, c'est justement de pas trop mélanger. En fait, il vaut mieux pas assez que trop. Sinon, tu casses tes blancs et ils vont plus long, ils vont plus être. En fait, on va faire chauffer la préparation, ouais. Et elle va plus se tenir. Et donc, sur votre plaque à macarons, vous allez avoir des taches au lieu d'avoir des petites. D'accord. On va voir. Alors je me permets de montrer si je peux ce matériel. Donc ça vient de chez Chut-Chut, pas de marque. Mais voilà. Pour faire les macarons, c'est vrai que c'est super pratique, ça. Oui. Parce que en gros, hein, tu vas le faire tout à l'heure, mais il faut faire le premier rond, puis après, c'est vous allez jusqu'au deuxième tout seul. Il va jusqu'au deuxième tout seul. J'ai quelques notions encore. Et je sais qu'il y en a, y a certaines personnes, une collègue qui faisait des macarons aussi dans mon équipe, salut Aurore, qui prenait un papier cuisson et qui dessinait dessus. Un peu, oui. Et elle faisait justement les deux mêmes ronds, comme ça, quoi. Et au début, quand je voyais ces trucs-là, je ne savais pas à quoi ça servait. Ben, vous allez le voir tout à l'heure, dans très peu de temps. Ça y est, on arrive au bout. T'as déjà essayé de les faire à la main? Oui. C'est vrai? Oui, j'ai déjà essayé. Et alors? Ça se fait, mais ouais. C'est super long, super compliqué, parce que là, ben, en fait, c'est mon thermomix qui travaille. Bah là, pour le coup, on a. J'ai pas Moi, j'ai rien fait. Hein. Mais t'as pas fait grand-chose non plus. C'est vraiment. À la portée de tout le monde dans le Thermomix. Sinon, oui, effectivement, hein, les faire à la main, c'est. Il faut prendre un thermomètre, bah, justement comme la recette des macarons Morito. Hop. Donc là. Alors, je reviens dessus du coup. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pour démarrer mon autre recette, je vais lancer le nettoyage sur mon second bol tout de suite. Ah, ce que je vais faire, si je t'arrête, oui. je vais aller le faire là-bas pour éviter qu'il nous fasse du bruit dans les oreilles. On a de la chance, on a des Thermomix de partout. Donc. Ça marche. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu le résultat. Voilà. Donc là, je viens enlever mon fouet. Avec ma petite spatule, je récupère le plus gros. Alors attends, je vais te filer même. Bon là, c'est... Hop. Je vais récupérer ce qu'il y a sur le fouet. Je vais mettre derrière. Hop. Et là, je vais en verser sur ma préparation. Pardon. Hop. Alors, hop, je tourne. Je me mets en grand, pardon. Il y en a toujours notre pote la mouche qui va. Oh, on a une invitée spéciale. Ils te conviennent là les blancs? Ah oh oui, parfait. Ouais. Parfait, parfait. Ils ne sont pas en neige, ils sont. En meringue. C'est ça. Donc, pour le coup, la couleur est flashy. Belle. Ouais. Ma fille est fan de la Reine des Neiges, c'est du bleu. Il y en a qui reconnaîtront les couleurs de l'OM aussi. Ah oui, avec la ganache au chocolat blanc. Ah voilà, ouais. Si tu cherches un sponsoring, peut-être que ça pourrait être intéressant. Voilà. Contactez-nous.
Donc là, tu vas pas plus avoir besoin du Thermomix tout de suite, là. Non. Bon, cool. Je vais du coup le pousser. Ça, tu auras la place. Pour vous montrer... Le macaroni. C'est parfait. T'as vu, je fais tout ça d'une main. C'est parfait. Hop, allez, je mets ça dedans. Je n'en ai plus besoin. Bah, par exemple, oui. Alors, la technique, ça va être avec la corne, je viens chercher. Ah, juste un tout petit peu plus loin pour qu'il puisse voir par-dessus. Donc, je viens chercher par en dessous, je soulève et j'étale. Voilà, comme ça. Et je m'arrête vraiment quand j'ai plus de beige. On peut très bien faire les. Voilà. Ça va, on voit. Ah, je suis très bon cadreur. Non, mais on voit bien le. Ah oui, les textures qui se mélangent. Donc là, j'ai encore un peu de. Et je suis tendu à ta place, tu sais. C'est vrai? Je serai dans tous mes états. Et on sent la dextérité, le professionnalisme, l'expérience. Je suis à mes. On a fait combien? Tu les as comptés? Au moins 500. Depuis le 15 mai. Ah oui. Voilà, donc là j'ai plus de. Tu vas pas plus loin que ça? Non, en fait je m'aventure pas. Voilà. Et puis on voit, elle se tient encore bien. Alors certains diront que c'est pas assez. Mm-hmm. Moi je préfère faire pas assez et que ça fonctionne que trop et avoir des petits tas. Et tu as bien raison. Donc là je vais venir mettre la préparation dans ma poche à douille. Et quel levard là pour qu'on puisse voir un peu par-dessus? Ça t'arrange pas, hein? Non, pas trop. Allez. Plus du coup, on voit rien. Non, comme ça. Non, non, mais dessus, parce qu'on voit le bol, c'est tout. C'est pas grave. C'est des aléas du direct. Donc là, t'as un accessoire, toi, qui est plutôt pas mal. Alors, c'est à force d'en faire, je me suis équipée, mais au début, j'étais avec un. Un tupperware pour les soupes. Ouais, voilà, c'est ça. Et je mettais ma poche à douille dedans. Et puis bon, voilà. Donc là, tu as déjà mis ta douille, hein, évidemment. C'est ça. J'ai fait un petit tour pour éviter que ça se. Ça, ça coule. Ça coule partout dans mon support, justement. Mais en règle générale, dans le beige qu'on voit, c'est le beige qu'il y avait sur la spatule. C'est pas grave en soi. Voilà. Ouh. Donc après, je vais juste passer ça à l'eau. J'aime bien avoir mes mains propres pour manipuler. Je comprends. Ma poche à douille. Ce que je dis, c'est pas. Tu me fais engueuler. Hmm? Non, rien. Je vais le mettre. Alors du coup, on va le mettre sur le tuteur vraiment dessous. Mm-hmm. Je vais te guider. Hop. Donc là, je viens remonter les rebords de ma chadouille. Donc là, on voit le petit tourbillon que j'avais fait. Ouais. Je viens plisser. Donc, on plisse la poche à douille. Et on peut rabattre comme ça. Ou alors, une autre technique que j'aime bien, c'est venir avec ma corne, bien pousser toute ma préparation dans ma poche à douille. Voilà. Là. Je plisse, je chasse l'air. Donc là, de là. On a frôlé le bonheur. Donc je viens plisser, je mets autour de mon pouce et je viens visser. Alors, il faut savoir que sur une poche à douille... Alors, plisser, visser, j'ai pas eu. Alors, on refait. Donc là, je plisse, je chasse l'air. Voilà. Je viens mettre ici et je tourne autour de mon pouce, comme ça. Ah ouais, moi aussi, je fais ça. Ok, après, je retourne et là, je visse. Et en fait, c'est cette main-là qui va mettre ma préparation. La deuxième sert uniquement de guide. Comme ça. Allez, je suis.
Et donc, pour les macarons, on va venir se mettre au-dessus. On appuie. On arrête d'appuyer. On tourne délicatement pour pas avoir ce petit. C'est ce geste-là qui est super pénible. Voilà. À savoir que quand vous mettez deux fois du sucre semoule, et ben peu importe la forme que votre macaron et comment vous allez les cocher en soi, une fois qu'on va les taper, ça va disparaître. Voilà, donc là, bien au milieu, on arrête. Il me semble que tu m'as dit que c'était là qu'il fallait pas que je te parle. Ouais. Déjà, j'ai une difficulté supplémentaire, c'est qu'elle est loin de moi. Alors, il faut vraiment être bien perpendiculaire à la feuille, parce que si vous êtes légèrement courbé comme ça, vos macarons vont cuire légèrement courbés. Quand vous mettez le sucre glace, hein, si vous mettez que du sucre semoule, il y a moins de problèmes, mais ils sont moins brillants. Après, vaut mieux les réussir, les avoir moins brillants que. Qui soit mangeable. C'est ça. Donc là, celui-là, je l'ai poché un petit peu de coin. Mais Le silence se fait. J'ai la mouche sur les mains, mais je bouge pas comme ça le restaurant. Super. À moins que tu veuilles que je te l'envoie. J'aurai des petites pattes de mouche sur mes macarons. Hop. Là. Le supplice est bientôt terminé. Hop. Voilà, c'est la partie la plus compliquée. Et là, on les voit bien s'étaler, hein. Ouais. Et ils prennent déjà le côté brillant. En fait, le côté brillant, si tu mets du gros sucre, enfin, je vais dire du gros sucre, mais tu vas me maltraiter si je dis ça. Du sucre semoule. Du sucre semoule, c'est parce qu'avec le poids, il s'enfonce dans la matière, en fait. Ça reste plus compact avec le sucre semoule. Avec le sucre glace, bah, c'est plus liquide directement. Donc là, j'ai ma poche à dos comme ça. On voit les derniers qui ont été faits. Ils ont encore la forme et les premiers. Je vais essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Ils ont déjà pris la forme. Voilà, donc là après on va venir les taper. Donc quand ma fille dort, je les tape comme ça, hein, mais voilà. Oula. Alors c'est l'avantage avec cette feuille-là, c'est qu'elle est assez rigide quand même pour le coup. Et puis ben voilà. Alors là, tu chasses les bulles d'air qui sont à l'intérieur aussi. Alors, typiquement, je ne sais pas, mais je fais des beaux cercles sans petite aspérité au-dessus. Dans la recette macaron coco chocolat blanc, ils viennent mettre du coup de la, comment dire, de la poudre d'amande sur le dessus. Là, pour le coup, moi, je les laisse. Comme ça, je les trouve plus beaux et naturels. Après, voilà. Et à quel moment tu décides d'arrêter de les maltraiter là? Bon, quand je vois qu'ils sont bien lisses, là, c'est parfait. J'ai peut-être. J'en ai fait plus pour la vidéo. Mais il faut bien les taper. On les voit, hein, ils sont déjà brillants. On dirait qu'ils sont. Voilà. Ils sont déjà prêts? Non, ils vont gonfler un peu quand même. on va avoir la petite collerette qui va apparaître Au niveau de la jonction avec la feuille. Oui, donc on voit cela en fait parce que ma plaque est un peu plus petite que ma feuille, donc ils vont être un petit peu penchés et Oui. tombent. Mais sur ce, voilà, ils sont bons quand même. Donc là, tu es sur une plaque. Je ne sais pas si on en a parlé. Je ne sais pas Suis sur une. un petit peu. La plaque perforée là. Oui, c'est ça. Donc ça c'est super, hein. Alors c'est pas que pour les macarons, moi je les utilise aussi beaucoup pour les pizzas. Oui. Quand on a des fours, ben, nous les fours à nous ils sont pas assez puissants. Et du coup ça permet une cuisson beaucoup plus homogène
au niveau de sous la pâte. Oui. Et puis c'est surtout en fait que les silicones en général, il ne faut pas les mettre sur une grille chaude. Ça permet en fait de faire plusieurs plaques, si on a plusieurs plaques perforées, de faire un roulement. Ok. Voilà, on pourra commencer. J'espère que vous avez suivi. Hein. La galache. Donc tu veux que je remette le Thermomix en place ? S'il te plaît. Allez. C'est là que je le fous par terre. Parfait. Et voilà, donc je suppose qu'elle est partie faire en cuisine. Sûrement nettoyer ce matériel, je crois que nous avons affaire à quelqu'un d'assez maniaque qui fait du nettoyage pendant les lives. Non, je prends mon deuxième bol. Ah oui, j'ai oublié de le lancer à nettoyer. Oui, voilà. Ouais, donc en fait, c'est totalement de ma faute. Et du coup, on les met au four ou pas? Non, on attend. Alors, sur la recette, c'est écrit 30 minutes. Ouais. On va attendre que j'ai fini ma ganache et puis on va les mettre pour que même là, tu vois, ils sont déjà durs en fait. Si tu mets ton doigt, tu le... Non, mais je préfère. Elle me dit, mets ton doigt dedans. Franchement, vous le voyez le truc là? Est-ce que vous oseriez? Allez, je vais essayer. Sur un qui est tordu, peut-être. Oui. Un peu. Ah ouais, si. Tu vois, c'est un peu dur. Si, ça se tient. Voilà. Donc là, en fait, on pourrait déjà les enfourner. On va voir. Voilà. Alors. Super. Allez, c'est reparti. Voilà. Donc là, je vais quitter la... Enfin, non, je vais vous montrer. Voilà. Donc après, il nous dit de faire des disques et la pâte 30 minutes à l'air libre. On a notre pote la mouche qui est passée en live. 150 degrés pour la température du four. Voilà. Donc là... Tu vas revenir au début de la recette, du coup? C'est ça. Donc récemment cuisiné. Ici, redémarrer. Commencer à cuisiner. Et là, on va faire notre ganache au chocolat blanc. Et au dé de coco. Donc, 130 g de chocolat blanc... Cassé en morceaux. 136, pour une fois qu'il y en a plus. On est gourmand, on est bien chocolat. Et par contre, là, comme on va la mettre moins longtemps au frais pour le direct, je ne vais pas mettre les 70 grammes de lait. Je vous expliquerai après. Donc, d'accord. Là, on va lancer. J'aurais pu prévenir. Excusez-moi. C'est pas grave. Une petite spatule. Mais bien sûr. Hop. Et encore. Non, c'est parfait. Tout est dans le fond du bol. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut maîtriser maintenant avec le nouveau mode haché qui est directement dans les fonctions du Thermomix. Quand vous scrollez vers la gauche, ça, pour pouvoir avoir ce genre de résultat-là. Je vous montre. Hop. Ici. Haché. Donc là, ici, il y a tout. Chocolat et noix. Chocolat blanc. Hop. Ici. Grossièrement, finement. Allez, on continue la recette. Et donc là, c'est écrit 70 g de lait. Et je vais en mettre, on va dire, beaucoup moins. Voilà. Un peu plus que la moitié, quoi. Suivant. Voilà. Et là, on a 7 minutes pour discuter. 7 minutes. Et eh ben, je pense qu'on va aussi pouvoir peut-être aller les enfourner, non? Oui. Voilà.
Allez, on va se mettre en immersion. Allez. Donc là, un endroit particulier dans le four ou Non. Non. Au milieu, moi, tel je quel. Fait même une cure deux étages. D'accord. Voilà. Et je vais mettre la minuterie. Bon courage. Ou pas, on va mettre sur le téléphone. Ou sur le thermomètre. Oui, allez. Allez, allons-y. Minuterie. On va mettre 15 minutes. Voilà. Parfait. Donc là, on est bon et je vais vous montrer pour la poche à douille. Donc là, on est sur des douilles en acrylique et pas en fer. Donc l'acrylique, ça passe très bien au lave-vaisselle, ça se déforme pas. Donc là, je viens. Prendre ma douille ronde que je viens mettre ici dans la poche à douille. Voilà, donc c'est une poche à douille jetable ici. Hein. C'est là. Ouais. Voilà, donc là je vois que pour arriver sur le. Donc là je vais venir pincer ici, je retire ma douille, je prends mes ciseaux et je coupe. Voilà. Et ah, là, tu marques l'emplacement et après tu l'enlèves et tu la remets. C'est ça, voilà. Et en fait j'ai que le bout de ma douille. Apparaît. Je sais pas si on voit. On voit. Donc voilà. Et pour le mettre dans la poche à douille, je tourne ici pour pas que ça coule et je la mets dans la poche à douille. Elle est occupée. Voilà. Mais on peut le faire avec le récipient que j'avais mis. Que j'ai mis là. Ah, regarde. Ok. Voilà. Parfait. Hop. On va venir la mettre ici comme ça. Là, y a... Oui, parce qu'on n'est pas tous équipés comme des professionnels comme toi. Hein. Non, et puis la première fois, on ne veut pas s'équiper à fond pour voir si on les réussit. Donc, c'est tout à fait possible. On y prend goût. Avec une réussite, on se dit, tiens, je prendrais ouais, ça, ce serait plus simple. Tiens, Et on finit avec, voilà. Avec tout ce tirail. Regarde, on peut même fermer. Hop. C'est ça. Pour éviter que ça croûte. Et donc là, on va venir mettre la ganache une fois qu'on l'aura faite. D'accord, pour celle-là. Je la mets ici. Quel type de ganache tu as testé? Parce que je crois que tu avais fait du salé aussi la dernière fois. C'est ça, donc on garde la même coque que j'avais parsemée de graines de sésame pour l'occasion. Je les avais fait noires avec des petites graines de sésame blond. Et chèvre, miel et romarin. C'est ceux que j'avais goûté? Oui. Après, j'en ai fait chocolat au lait coco, chocolat noir. On peut les faire aussi avec de la confiture uniquement. Ouais. On peut les faire avec le caramel à haute température. Sur, Du chutney aussi, je pense. Donc, ouais, ça doit être bien ça. Mais ça, je n'ai pas encore testé. Donc on verra. Là, je vais étudier les ganaches salées justement pour les apéros parce que c'est vachement pratique. Ouais. Ça fait des bouchées. C'est ça. Mmh. Et puis en fait, souvent quand on fait une cérémonie ou une réception, bon, on loupe tous nos gâteaux avec le stress, la pression, etc. Alors que là, en fait, les macarons, ils sont meilleurs quand le lendemain. Voilà. Donc tu peux les prévoir à l'avance. On peut les prévoir à l'avance. Et si on a vraiment un grand nombre de personnes, comme là, demain, je fais l'anniversaire de ma fille, j'ai fait plusieurs fournées que j'ai mis au congélateur. Et en fait, je les sors. Les coques. Tout. Même la ganache et tout c'est ça. Mais ils ne sont pas encore ensemble. Si. Je les ai mis ensemble au congélateur. D'accord. Et en fait, quand on les sort, je les ai testés avant l'anniversaire de ma fille. Ouais, Et en fait, quand on les sort, la ganache, justement, elle va humidifier un peu la coque et on aura vraiment ce côté croquant du dessus et fondant à l'intérieur. D'accord. En décongelant, l'humidité qui va être dégagée va être prise par c'est la coque. Ça. Par contre, je les ai congelés le jour même où je les ai faits. Ouais, voilà, pour pas qu'ils soient humides. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ces ganaches, est-ce que tu en as sur Cookidoo que tu vas chercher? Ou tu les inventes toi-même? Est-ce que tu as quelques recettes de ganache que tu peux montrer Sur Cookidoo, oui, j'ai fait... Enfin, je l'ai modifié. Mais oui, j'ai été chercher les ganaches au café. Oh, pardon. Ah, non, je t'en prie. Hop. En fait, je tape juste ganache. Et tu vas le faire. Voilà. Et j'avais tapé ganache café. Voilà, et j'avais trouvé ces macarons-là.
Alors, de vue, c'est les macarons, c'est quoi, italien, ça? Ou quand on voit les coques qui sont un peu plus meringues? C'est des meringues au café ici. Mais du coup, D'accord. moi, j'ai réutilisé Que la ganache. que la ganache. Et c'était chocolat café. Moi, j'ai fait chocolat chicorée. Parce que j'avais de la chicorée chez moi. Et pour le coup, ben, voilà, je suis passée directement à l'étape 5. Et j'ai fait ma ganache. Voilà. Parce que les coques en soi, j'utilise toujours la recette macaron coco. Voilà, toi tu utilises cette recette de coque et après tu vas chercher selon ce que tu peux trouver. C'est ça. Donc là, si on tape juste ganache, On a la ganache au chocolat, on voilà. a la ganache au chocolat blanc, on a même à la fraise et à la rhubarbe. Il y a énormément de ganache à tester. Ouais. Et encore là, j'en ai pas beaucoup, donc je pense qu'à mon avis, j'ai dû me tromper de quelque part. Il y a une autre manière de les trouver. Parce que c'est bloqué France et Belgique peut-être. Ouais, je sais pas. Un peu plus. Ah oui, les ganaches poire aussi, ça peut être sympa. C'est ça. Et moi j'avais pensé, il faut que je le teste en fait, c'est de faire une crème pâtissière, ou plutôt diplomate, une crème diplomate, et mettre des fruits frais, une Ah framboise oui. sur le milieu. Enfin après tout dépend des petites. Oui. Ok. Bon, ben, je crois que de toute façon, il va nous rappeler, lui. Dans 18 secondes. Donc là, sur la recette, si on fait un petit aperçu, il va nous dire transvercer dans un récipient et laisser refroidir. Moi, je fais pas ça du tout, parce qu'à la fin, il me dit 120 g de mascarpone et mélanger à la cuillère et placer au réfrigérateur. Pour le coup, la première fois, j'ai vidé la préparation dans un récipient. J'ai mis mes 120 g et après, il fallait que je remélange le tout. Oui. Je me suis dit, c'est inutile. Donc, moi, je pars sur le principe que je vais peser ma mascarpone. Donc, là, je vais la mettre au frigo. Voilà, ma mascarpone dans mon petit bocal. Et je viens, en fait, vider la préparation. Du coup, là, celle-là, on la voyait bien. Qu'on voit là. Et bien, je viens la vider sur ma mascarpone. Est-ce que je peux avoir une spatule, s'il te Bien plaît? sûr, tu consommes beaucoup de spatules. C'est vrai. Ouais, c'est parce que j'ai rien nettoyé. Je m'enfuis 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Les voyez? On dirait une île flottante avec un coulis de poids. C'est pas mal. Voilà. Et là, on va venir mélanger les deux préparations. Chez moi, j'ai un petit fouet souple plat. J'aime bien. Mais si on va faire la fourchette, c'est pas grave. Et ça, tu ne mélanges pas au thermomix. Non. Alors, je l'ai jamais fait parce qu'il dit de le faire à part. Maintenant, quand je vois le résultat et ce qu'on fait, je me demande si sur du 3, on ne pourrait pas obtenir la même chose. Me demande fortement, moi aussi. Ouais, je pense. Là, j'aurais dit peut-être même avec le fouet vitesse 3, tu vois. Ouh. On essaye. Ah, si tu veux. Bon, je l'ai jamais testé, mais le bol est prêt. Ça, si ça marche pas, tu diras que c'est ma faute. Ouais, je dirais. Oh! T'as tout cassé. C'est de sa faute. Non, je suis pas comme ça. On assume, on est à deux jusqu'au bout. Allez. Sort de la recette. Oh, on le fait manuellement. Regarde. C'est pas mal, hein. Tu te réveilles. Hop. 12 secondes. On va voir si j'ai tout fait foirer ou pas. C'est pas grave, on a encore de la mascarpone au pire. Non, c'est bien. Ah. Et donc là. On va la mettre au frais d'abord. D'accord. Je vais aller trop vite. Alors là, comment.
on va les pocher tout de suite. On va la mettre au congélateur. Ok. Après, on peut la faire la veille, mais surtout pas avant les coques. Parce que si vous faites la ganache avant les coques, en fait, ça va faire chauffer votre bol. Et oui. Du coup, le résultat, il sera beaucoup... Enfin, vous allez avoir, en fait, une... Ouais, ça fait chauffer le sucre, ainsi de suite. C'est ça. Et pour le coup, vos macarons ne vont pas se tenir. Donc, si vous voulez préparer la ganache la veille pour qu'elle soit bien froide, vous pouvez. Mais jamais avant de faire vos coques. Il faut toujours un bol frais. Voilà. Donc là, je vais mettre au congélateur. Ok. Et du coup, on a combien de temps encore sur notre cuisson ? Sans bourre. 4 minutes 47. Parfait. Donc là, quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'a plus rien à faire. Nettoyer les bols, c'est tout. Nettoyer les bols. On va laisser le... se faire automatiquement. Il y en a pour combien de temps pour que ça refroidisse ? On va pouvoir les faire maintenant ? Bon, une quinzaine de minutes, hein, le temps que les coques refroidissent aussi, pas mettre la ganache chaude sur les coques. D'accord. Et il faut attendre que les coques refroidissent un peu pour pouvoir les décoller facilement. Sinon, en fait, on a tout l'intérieur qui colle au tapis. Ok. Voilà. Donc, ça peut être dû aussi à un manque de cuisson, mais pour le coup, il faut attendre le refroidissement. Bon, je pense qu'on ira jusqu'à sortir les coques. Mmh. Après, le fait de mettre la ganache à l'intérieur de la coque, c'est quelque chose qui est assez compliqué ou pas en soi ? Pas du tout. Non, en fait, on peut le mettre à la cuillère. Oui. Bon, là, je le fais à la poche à douille parce que j'aime bien, ça va vite. Et quand on fait une grosse quantité... C'est plus rapide. Voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Ouais. Hein, une petite noisette. Il faut juste que ça fasse le rebord quand on appuie dessus. C'est ça, voilà. Ouais. Ça ne dépasse pas plus. Et puis... voilà, en particulier. Bon. Ouais, c'est fait. Bon, bah super. On a encore quelques minutes avant de les sortir du four, parce que c'est vraiment ça qui va être intéressant. Ouais. Parce que moi, j'en ai vu plein hein, de recettes de macarons, et comme je dis, il y a beaucoup d'étapes. Moi, j'aime bien montrer, vous le savez, des choses simples. Et là, pour le coup, j'ai rien trouvé de complexe dans ce que tu as fait, et surtout, il n'y avait pas de... le côté je tamise, parce que j'ai vu vraiment le. Mmh. C'était sur quoi ? C'était sur la poudre d'amande. Il fallait tamiser la poudre d'amande. Oui, bah, les œufs, la veille, il fallait les mettre au frigo. Enfin, il y avait toute une partie comme ça qui était un peu. Je sais que quand je les avais testés, il fallait une certaine quantité de poudre d'amande, mais la poudre d'amande tamisée, il y en a moins que dans le sachet, donc j'avais dû utiliser deux sachets. Et on se faisait avoir justement à cause de voilà, ça. Voilà, c'est ça. Donc vous ne pouviez pas vous faire vos macarons parce que vous aviez pris qu'un seul paquet de poudre d'amande. Il fallait toujours prévoir de partir sur deux paquets. C'est ça. Bon, là, il faut, parce que c'est la quantité, hein, 150, mais on pourrait faire un produit en 3 et en faire moins. Ou en faire plus. Mais le Thermomix réduit tout lors des 10 secondes. Oui, de toute façon. C'est pour ça que c'est étonnant. Mais je crois que dans leur recette à eux, ils ne mixent pas à ce moment-là. Non. Ils l'utilisent tel quel. Oui, parce qu'il est tamisé. Voilà. Ok. Bon, écoute, il nous reste encore un peu de temps. Tu penses que c'est bon ? On peut les sortir ? Pas encore. Encore un petit peu ? Ouais. Donc, pour rappel, moi, personnellement, vous me retrouverez donc sur Facebook et sur YouTube, Tuto Thermo. Et toi, donc, ta chaîne, je te laisse redire. Les ateliers d'Émilie Dupré, parce qu'Émilie était déjà prise. Et sinon, c'est MilieZSD sur Instagram. Donc, tu en as déjà fait des vidéos plus ou moins live, comme ça, c'est ta première ? Non, c'est ma première c'est fois. C'est ta première, d'accord. Sinon, tu as plein d'autres vidéos. J'ai des réels sur Instagram, pas de vidéos, pas pour encore. Oui, parce que c'est vrai que là, quand vous nous voyez faire, ça paraît pas grand-chose, mais il y a toute une installation pour essayer de faire en sorte que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que c'est pas toujours pratique quand on cuisine avec le téléphone à la main. Donc là, on a la vue sur le Thermomix à l'intérieur, devant nous, le micro, parce qu'il faut aussi nous entendre. J'espère que vous nous entendez bien, normalement, oui. Et tout ça, donc on le fait à l'agence de Valence, parce qu'on a une grande cuisine qui s'y prête. Et c'est des choses que vous pouvez venir voir, parce qu'il faut savoir que tous les lundis, l'agence de Valence est ouverte et vous pouvez venir jeter un coup d'œil à ce qu'on y fait. Ça peut être déjà pour vous de découvrir l'activité de conseiller, mais aussi peut-être juste de la curiosité.
Puis il faut savoir qu'il y a des gens qui vont pouvoir aussi venir voir le Thermomix en agence directement dans des cours de cuisine ou autres démonstrations. Les agences, elles sont faites pour ça. C'est un lieu de vie pour les conseillers comme nous, mais aussi pour les gens qui veulent venir découvrir le Thermomix et pourquoi pas l'activité. C'est vrai. Tu l'avais découverte comment, toi, l'activité ? Une amie qui s'était lancée dans l'activité et qui m'a donné envie. Elle t'a dit « mais viens !» Non, elle m'a même pas dit « viens », j'ai posé 2-3 questions et non, ça a démarré où je voulais le Thermomix et le Thermomix. Mon mari m'a dit « encore un robot, t'en veux un à chaque fête des mères ?» Elle t'a dit « bah va le gagner !» Non, j'ai dit « ne t'occupe de rien, je vais le gagner !» Et je l'ai gagné. C'est aussi l'intérêt, évidemment. Ah, voilà. Nos coques nous appellent. C'est ça. Alors, pour les sortir... Là-dessous, t'as les... Là, ouais. Attends, je te suis parce que... Yeah. Joli. Voilà, j'ai pas... Alors, attends. Hop. Ça, c'est bien. Hop. Merci. Hop là. Voilà, nos petites coques. Donc là, tu considères qu'elles sont... Tu te tais, la thermomix. Tu considères qu'elles sont bonnes, là, du coup ? Je demande, moi, j'y connais pas grand-chose. Oui, je vais mettre là, on verra bien. Donc là, on voit bien la collerette, hein. Est-ce que tu es contente de toi ? Dis-nous, parce que tu sais que là, tu viens de le faire en live et tout ça, c'est compliqué. Oui, bon, j'ai plus de collerettes chez moi, mais ça va, c'est un bon... Dis-moi, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Non, mais c'est à force d'en faire après. Ouais, ouais, non, mais on devient... Ouais. Pardon. Donc, non, là, pour le coup, ils sont bien et ils se tiennent bien. Et ouais, ils sont tous plats, ah, ils sont, nickel. Ils sont... Ouais, ils sont... Il y a parfaits, celui-là quoi. Qui a une petite aspérité, mais encore... C'est peut-être moi qui l'ai touché, celui-là. Au coin, mais ça va. Bon, bah cool, franchement, rien à dire. Eh ben, c'est comme d'habitude, hein, je dirais, dans ces lives, dans ces... As-tu réussi à en décoller un ? Je me lavais les mains avant, mais... On vous propose des choses, mais le plus important, ben, en fait, c'est que vous les testiez, parce que c'est bien de vous montrer des trucs, des astuces, des machins un peu plus longs. Donc je sais que c'est un live un peu plus long que d'habitude, mais c'est une recette qui, normalement, prend beaucoup plus de temps que ça, donc alors, c'est pour ça que... Sur le site, ouais, 5h50. Ouais, voilà, 5h50. Et là, on a la ganache qui va prendre très rapidement, mais on va pas vous garder encore beaucoup plus de temps que ça. Et... Tiens, je pourrais en prendre un. Et de pouvoir vous montrer le résultat, hein. Oh bah, finalement. Il colle parfaitement. Alors là, vous êtes un peu trop éclairé. Hop. Donc après, il faut faire là, le jeu du 2x2. Ah, par rapport aux tailles. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de les faire dans les ronds, parce qu'en fait, au moment de les rassembler, si vous avez que des trucs qui sont pas de la même taille, vous allez galérer. C'est ça. On va peut-être faire ça. Puis je vais sortir la ganache pour. Tu vas réussir. On aura le temps d'en faire un. Allez. Bon, on va en faire qu'un parce qu'elle va être. Elle va être encore un peu chaude. On va réussir à filmer ça, c'est cool. Non, elle s'est prise, elle a pris. Ah, elle commence, mais. Allez. On va réussir à le faire. Je sens que tu veux. N'ose pas me redemander une spatule, c'est ça ? Non, c'est bon, j'ai. Je suis d'accord. Tu me tournes toujours le dos. C'est peut-être parce que je me sers de la mauvaise main. Enfin, de ma main, quoi. Oh, donc voilà. Ah. Trop rapide. Le petit tour s'est défait rapidement, c'est ça ? Voilà. Et là, en fait, on en a... Pas plus que ça. Non. Elle est encore un peu liquide, là. Oui, encore un peu liquide. Normalement, chez vous, elle sera un peu plus ferme. Et là, voilà. J'ai fait pas la bonne taille. Alors, attends, je vais essayer de retrouver. Maniaque, je vous l'avais dit. Je le verse là, bon, on est sûr. Hop. T'en fais deux, hein. Pour qu'on goûte. C'est ça. Allez. Hop là. Voilà. Thank you.
bien chargé le mien. Là, c'est pas ouvert. Non, celui-là, il est chargé. Hein. C'est bien, ça. Voilà. C'est pas bien, ça. Je sais pas combien de temps on a mis. 1h13. Non, 1h13 secondes. Oui, oui. Donc, on avait dit en 1h. Ouais. On y est. Bah, lui, il sauve. Ah, elle est chaude encore. Ouais, je vais la remettre au frais. C'est pas grave, parce que moi, je vais quand même goûter. Ouais, là, il se sauve, là, hein, parce il que... il est un peu croquant, hein. Il faut attendre vraiment le lendemain pour avoir... Mais ils sont bons, hein. Ça devrait aller pour moi. Alors ? Ouais, j'ai du mal à parler. En fait, ce qui se passe, c'est que le macaron. Ils sont chauds encore, peut-être. Oui, puis le macaron n'a pas encore pris l'humidité de la ganache. Oui. Et donc, ils sont encore assez durs à l'intérieur. Mais ça, je le sais, c'est que, en fait, quand on les prépare, les macarons, une partie de l'humidité de la ganache va aller dans la coque, ce qui va les rendre moelleux. Donc, évidemment, quand on les fait comme ça, ils sont trop durs. Mais par contre, je suis épaté du résultat en une heure, quoi. Parce que la partie. La plus complexe, on va pas se le cacher, c'est quand même le macaron en lui-même, la coque. Oui, oui. Et là, il n'y a rien à dire. Ben en fait, vaut mieux pas assez que trop. Ouais. Après, le pas assez, si vous macaronnez pas assez, ben la collerette, elle sera un tout petit peu moins épaisse. Voilà. Donc, il faut un juste milieu. Bon, on va arrêter là, on va dire au revoir à tout le monde. Parce que nous, après, on va les manger. Hein. Ben merci de nous avoir suivis sur ce live. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je vais le redire encore une fois, vous trouvez ça bien, testez, allez-y, c'est pas grand-chose. Vous pouvez prendre ce live que vous pourrez revoir en replay et faire du pas à pas. Comme ça, au moins, vous allez avoir la possibilité de faire les choses sans courir après la recette. Et puis pareil, sur les réseaux sociaux, vous posez des questions et on essaie de répondre au plus vite. Ben merci en tout cas de m'avoir montré ce featuring. Oui. Et puis on vous dit à plus tard. Et puis n'hésitez pas à mettre les photos de vos réalisations tout simplement sur le en commentaire ou autre. Ça c'est les macarons d'Halloween. Oui, on aurait dû les faire à la orange ou couleur sang. Allez, on vous dit à plus tard et puis merci. Merci, ciao. Au revoir.